Il était maintenant temps de faire nos préparatifs pour notre chasse dans l'Ouest canadien. À peine arrivé, les travaux de recherche pour trouver nos sites de chasse commencent. Là qu'on marche, ce que je veux trouver, c'est des signes. Je veux savoir s'il y a des mâles dans le coin. Un frottage ici, un arbre pas tellement gros. On pourrait se dire, ouais, pas trop intéressant. Je l'avance de quelques pieds, en regarde ici. Un paquet de petites tiges coupées. Fait que si on le sait, là, c'est pas un petit boc là, qui a frotté ça, un petit boc d'un ennemi. Il vient de péter tout ça. Habituellement, plus ils sont gros, plus qu'à charge de la résistance, si on n'a pas de gros arbres, donc on va y aller avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de tiges. C'est pas un bonheur, là. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Là, on est à notre troisième grattage sur 250 pieds. Les bûchers sont hauts, on continue. À partir de là, ben, on jugera, là, c'est quoi faut faire. On a trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiers. Ben, j'ai pas de signe de mort, là. J'ai pas de temps à perdre avec ça, là. Probablement qu'ils vont en passer, là. Mais j'ai besoin d'une confirmation qu'il y a des mâles dans le coin. Ça commence. Il
Le lendemain, après avoir localisé des sites prometteurs, il était déjà temps d'installer nos affûts. On va installer ici pour le truc qui est 9h, on n'a pas le choix pour dire que j'ai une grosse confiance, là, je te dirais. Là. Il y a de la trail écœurant. Il n'y a pas grand box. C'est sûr que la seule affaire qu'il y a, deux semaines, on peut attirer. Il y a, ben, il faut qu'il y ait de la femelle là, au nombre de pièces qu'il y a ici. Il peut y avoir du boc qui va se prendre. Je peux me tromper, là, mais. Pas grave, on va en faire une, on va en faire une. Pas le premier sapin, hein. Celui au milieu, au bord, comme celui qui est plus en dedans. Ouais, on va m'installer là-dedans. On va aller faire ça dans le bord de ce bois-là, parce qu'ici, de loin, s'il passerait quelqu'un, je veux pas qu'il veille, malgré qu'on voit le truck un peu. On va se donner la semaine, on va mettre une caméra dessus. On devrait pas tuer de record ici. Ça va nous faire une place de fête. Là-bas, il y a des bottes chaudes. Là-bas, t'avais du frotteur en bas, c'était intéressant. Là. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont frotté. Où c'est qu'on a trouvé? On a trouvé là-bas, ce que t'étais hier. Ils traversent dans ce stick d'îlot-là, là, en face, cette ridge de bois-là qui n'a pas été coupé. Oups, il a swingé, il a traversé le bord. C'est pas dit qu'il ne viendra pas ici. Ah, c'est là. Ça. Ben, ils sont nourris, c'est sûr que. C'est sûr qu'ils se promènent, puis ils vont flyer une femelle à un moment donné. Ça, c'est. À un moment donné, ils sont assez femelles ici, c'est certain qu'il n'est pas venu. Sûrement, sauf qu'il n'y a pas de signe qui dit « Wow, il y a quelque chose d'intéressant. » En bas, il y en avait un beau frottage. Ça peut être un gros, là, mais tu sais, quelque chose, il y a de la pile. Là. Mais là, il faut faire quelque chose. On va en faire ici. Sur quatre, il y en a bien une qui va marcher. On va faire ça ici. Bien que j'étais convaincu que je ne verrais pas le boc de mes rêves à cet endroit, on pouvait s'imaginer au moins de voir beaucoup de chevreuils. OK. Deuxième setup de fête. Celle-là, c'est une place récompense. On est en pleine forêt, des trails partout, un petit peu de grattage. On pense que ça va être pas pire pour tout. Confiance, oui? Oui. Ben oui. Non, mais je pense que ça va faire bien différent d'avant. Ouais, on fait ça bûcher, parce qu'avant, là, on voyait grand, puis on voyait venir des 500 pieds. Là, on ne le verra pas, là, on va y voir. Là. On va ça pour la recamoufler. Le gars, il a viré un petit peu, mais. Fait qu'il a ouvert en avant, puis c'est tout, puis nous autres. On pourrait mettre des branches de sapin en avant. Ça, on peut le faire. Puis, juste se faire un éclairci de tirer en haut. Ça, on peut le faire tantôt.
trouvé ça. Super beau. Tu connais ça? Ça, hein, ça ment pas. Il te l'a twisté. Hein. Oui. Ben là, je pense que ça vient confirmer que ça va peine. Il y a bien, bien, bien des sentiers. Puis... Je pense qu'on a trouvé une bonne place. Ça ressemble plus au spot qu'on avait les autres années. Les bouchages jeunes, c'est un bouchage à peine de 2 ans. Bien de la trace. Ce qu'on fait, on longe le grand bois. On vérifie les sentiers à l'intérieur. On a trouvé un super beau frontage. Moi, je pense que ce serait une bonne place. C'est sûr que là, on regarde pour l'arbre. Là. Mais... Ça va être un des premiers. Mon petit stand site. Oui. Un des premiers au bord. Là. Plus facile à installer. On a un shot à peu près de 350 pieds. La seule affaire, c'est. OK. Non, je pense pas de collecte. C'est sûr que. Écoute bien, moi, je pense pas personnellement là, que tu vas croiser ça entre le milieu du boucher, l'autre bord de toi. Il traverse, mais il traverse de nuit. Non, non, ça, c'est sûr. Le jour, tu ne verras pas. Peut-être le matin, ben de bonheur, si on est chanceux, là, mais encore là, il est trop long là, entre les deux. Là. Ben, malheureux, il peut partir, prendre le stylo-là, puis s'en aller là-même, par exemple. Il peut le faire. Ouais, mais je veux dire. Oh, je comprends. Pour se rendre à ce stylo-là, il n'y a rien l'autre bord. Oh, ouais, c'est vrai. C'est grand que le tabarnak. Ouais, c'est vrai. Fait que, oui, moi, je pense qu'ils vont venir de la pointe là-bas. Là. Si c'était pas si loin, on pourrait retourner. Tu sais, la bout d'arbre là-bas. Là. Ouais. Ça fait comme un équerre, là. Oui. Ben, ils vont venir dans ce grand bois-là, puis là, nous autres, on a un cours d'eau à quoi, ici, à peu près 1500 pieds, nous autres, là. Fait qu'ils vont longer le bord. Puis les bocs, eux autres, ils ont déjà commencé à rouler sur les femelles. Fait qu'on a 16 jours là, à se spotter des femelles. Puis derrière nous autres, dans les chemins de terre, c'était plein de pistes. Là. Fait qu'on a 3 habitats différents. Moi, je suis dans les bûchers à peu près de 10 à 15 ans. Il va y avoir un spot qui est complètement en forêt, là, dans le bois. Puis toi, t'es dans les jeunes bûchers. Puis là, ici, si on rencontre quelqu'un, on est malchanceux. C'est les 2 dernières places, là, il ne peut pas avoir personne. Ben il n'y a pas de chemin. Même tout. Moi, ça va être tabarouette. On verra bien. Fait que demain matin, on s'enligne ici. Oui, c'est bien. Hein? On va 3 spots. En tout cas, un ou l'autre, je m'aurais aussi confiance.